Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo FAQ. Vous avez été très nombreux à poser vos questions comme prévu pour cette grande vidéo questions-réponses. J'ai tout lu, malheureusement je n'ai pas pu tout sélectionner forcément et je vais essayer de faire ce qu'on a le plus posé ou les questions qui m'ont un petit peu interpellé. La question que vous m'avez le plus posée, c'est pourquoi portes-tu un bonnet à chaque fois ? Bah c'est très simple, c'est tout simplement pour me tenir les cheveux, hein, tout simplement. J'ai les cheveux un petit peu longs et j'aime pas trop quand ça part n'importe comment. Et j'aime pas les casquettes, j'aime pas les serviettes, j'aime pas les joujoux, j'aime rien. Du coup, bah voilà, je suis parti sur des bonnets. Est-ce que tu vis en colocation avec Sarenz et Skyheart ou Sarenz ou Skyheart ? Non, absolument pas. Non, je vis chez moi, je vis avec ma copine, je vis avec ma compagne depuis maintenant 3 ans. Donc non, Sarenz et Skyheart sont des collègues de travail. Quelle est la taille de ton pénis ? Alors, concernant la taille de ma bite, est-ce que tu aimerais passer pro sur League of Legends et penses-tu en avoir le niveau ? Alors, deux fois non, je n'aimerais pas passer pro sur League of Legends, ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, je ne pense pas avoir le niveau non plus. En plus, je pense que j'ai un niveau correct, un niveau pas du tout excellent, vraiment pas. Et ça dépend des rôles également, donc je me considère vraiment comme un joueur... tout à fait normal, hein, contrairement à Sky qui est vraiment très bon. Moi je suis dans cette flopée de joueurs qui essaye de se démarquer un petit peu. Mais sinon non, je ne pense vraiment pas avoir la prétention d'avoir un niveau pro et voilà. Et puis ça ne m'intéresse pas, honnêtement ça ne m'intéresse pas du tout. Quand est-ce que tu as commencé League of Legends? Alors j'ai commencé League of Legends il y a maintenant 12 ans et demi je pense. C'était un octobre, un mardi soir brumeux et triste. Et un pote m'a tout simplement montré le jeu et voilà, j'ai accroché de suite et je me suis lancé dans l'aventure très rapidement. Serait-il possible de faire de la muscu avec tes cheveux ? Pourquoi Skyheart poste moins de vidéos que toi ? Alors faut savoir que Sky avait un gros souci avec son PC, c'est-à-dire qu'il était complètement dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Ouais, du coup, il a dû malheureusement freiner un petit peu les VOD parce qu'il avait déjà du mal à streamer, c'était assez compliqué, il faut l'avouer. Donc voilà, mais là il a tout formaté, il a tout mis nickel et normalement vous devez avoir de nouvelles vidéos de Sky comme en témoigne la chaîne gracieusement Faune. Comment s'appelle ton chat dans la vidéo ? Mon chat s'appelle Teddy et il t'emmerde. Comment as-tu connu Eclipsia ? Eclipsia, j'ai connu sur les forums de League of Legends à l'époque. La structure n'était pas encore lancée, mais ils étaient déjà en train de teaser. Et moi, j'étais dans mon petit coin en train de faire mes tournois LOL avec mon petit site. Et donc, j'ai proposé mes services tout simplement bénévolement en disant voilà, si vous cherchez des casters, bah, ça m'intéresserait. Et donc, je passais un entretien Skype et on m'a dit bah go, pourquoi pas essayer. À l'époque, c'était pas du tout connu, on attendait, on allait voir ce que ça allait être. Voilà, tout simplement. Ça fait combien de temps que tu joues de la guitare ? Je joue un petit peu de guitare. Wow, wow, wow. Milouza ! Il était question d'un projet en Angleterre, où est-ce que ça en est ? Oui, il est bien question d'un projet en Angleterre, nous n'allons pas rester toute notre vie à Bordeaux, ça devrait bouger d'ici quelques mois, donc j'en ai déjà parlé en plus en stream les amis, pour ceux qui ont un petit peu suivi, donc on devrait déporter la maison mère, à la maison mère plutôt, qui est en Angleterre, exactement à Ashford les amis. Donc voilà, ce sera quand ce sera, mais ce sera dans l'année, et ce sera d'ici quelques mois comme je vous l'ai dit très certainement, et oui, on continuera de streamer en français, oui, Sky et Sarenz viennent avec moi. Vous calmez maintenant. Quel est ton lien de parenté avec Skyheart ? Nous sommes père et fils. Oui. Est-ce que tu vis d'Eclipsia ? Oui, clairement oui, je vis d'Eclipsia et heureusement les amis. Alors, ça c'est quand même une question qui a été énormément posée et que je trouve aussi un petit peu bizarre d'un côté. C'est-à-dire que vous me voyez tous les jours en live de midi jusqu'à minuit. Heureusement que je vis d'Eclipsia, je suis employé chez Eclipsia, je travaille pour Eclipsia. Donc oui, je vis d'Eclipsia. Tu es plutôt Nintendo ou Sega ? Complètement Nintendo, mon frère. Pourquoi Jiraiya le cochon comme pseudo ? Est-ce que ça a un rapport avec Naruto ? Oui, les amis, ça a un rapport avec Naruto ! En effet, alors à l'époque, je me souviens, j'étais encore jeune et frêle, pucelle. Je crois que j'étais en 5e quand j'ai créé ce pseudo. J'étais sur l'internet en train de naviguer sur un magnifique Windows XP. J'ai décidé de me créer ce pseudo pour rejoindre, je crois, un jeu, une connerie du genre. Et je voulais m'appeler Jiraiya le pervers dans un premier temps, mais apparemment c'était déjà pris ou alors ça ne passait pas. Et j'ai cherché un synonyme au pervers, j'ai marqué le cochon, Jiraiya le cochon, c'est QFD. Est-ce que tu es né avec ton bonnet ? Non. Pourquoi avez-vous eu envie de vous lancer tout d'un coup sur YouTube ? On a commencé avec les streams au final et on s'est rendu compte...
tout le monde ne pouvait pas suivre à chaque fois le stream aux horaires, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui essayent de vivre, oui, je te jure que ça existe. Donc ouais, et du coup on s'est dit, bah, pourquoi pas déporter nos streams, en faire des VOD, les mettre sur YouTube, au moins les gens peuvent les consulter en direct, et ça reste sympa. Donc voilà, c'est, même si vous avez vu le stream, vous pouvez aller le voir sur YouTube après, ou inversement proportionnel ou égal. Y aura-t-il une rencontre avec les abonnés? Oui! Oui, il y aura une rencontre avec les abonnés, les amis, et j'avais déjà vaguement tâté le terrain en stream en vous proposant, si ça vous intéressait ou pas, de faire un resto en C4, une rencontre, je ne sais pas, en tout cas dans un premier temps à Bordeaux. Donc vous étiez plutôt chaud, donc on va voir, on va essayer de convenir d'une date. Mais je pense que oui, après on va essayer de faire, enfin pour ma part je vais essayer de faire des conventions, peut-être pourquoi pas venir vous rencontrer, et j'aime bien les conventions en général. Donc voilà, j'essaierai de vous tiendrai de vous tenir au courant via Facebook, via Twitter, via les réseaux sociaux en général, comme d'habitude. Tu as dit que tu n'aimais pas Minecraft, mais tu as parlé la dernière fois d'Hunger Game. Est-ce que tu comptes en faire, par exemple, avec Hunter Beacher? Alors les amis, moi je suis toujours open pour faire des nouvelles choses avec d'autres youtubeurs, pourquoi pas. Dans le domaine du gaming, c'est toujours très intéressant. Après j'ai joué une seule fois avec Hunter Beacher, je ne le connaissais absolument pas d'avant, ni d'Adam, ni d'Eve. Je compte peut-être faire du Minecraft, je pense, ouais, ça pourrait être sympa, ça pourrait sortir l'ordinaire, même si j'aime pas le jeu, les mods ont l'air assez intéressant. Concernant les autres youtubeurs en général, je vais en profiter pour répondre aussi là-dessus. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de faire pourquoi pas des VOD, ce qu'on fait déjà avec Age of Noobs. Et si on peut en faire avec d'autres, mais ce sera toujours avec plaisir, du moment que leur travail nous plaît et que ça se passe bien. Est-ce que tu feras un truc spécial pour les 20 000 abonnés? Je pense que je ferai un truc spécial pour les 20 000 abonnés. Vous savez que j'aime beaucoup faire des petites choses spéciales pour les millions de vues, pour les abonnés, pour les likes, etc. Et les 20 000 abonnés sera encore une fois un prétexte peut-être pour sortir une nouvelle chanson. Est-ce que tu comptes refaire du podcast? Alors oui, je pense que je vais essayer d'en refaire, je vais essayer de m'améliorer, j'ai pris en compte toutes vos critiques, vous le saviez, la dernière fois, c'était la première fois que je faisais ça. Sinon, je vais essayer de m'y remettre toujours sur le thème du jeu vidéo, peut-être plus généralisé, rester sur LOL dans un premier temps, et après on verra comment ça évoluera. En tout cas, je vous remercie vraiment, hein, parce que vous avez été nombreux à me soutenir là-dessus, et je trouvais ça pas trop mal, mais bon, il y a énormément de choses à améliorer, et voilà, donc oui, je compte en refaire. Tu as combien d'abonnés en tout? Te laisse compter ma gueule. Voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo FAQ. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça aura levé le voile sur certaines choses. Je suis bien conscient que j'ai pas pu répondre à tout le monde et à toutes les questions forcément, mais c'était, comme je viens de le dire, la première vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser des pouces verts les familles, vous abonner à la chaîne ou encore laisser des commentaires pour me dire que vous en voulez d'autres, peut-être. Je pense que j'en ferai une prochaine. Dites-moi le rythme que vous préfériez, peut-être toutes les deux semaines, tous les mois, plutôt tous les mois, ça me semble un bon compromis, j'en sais rien. En fait, comme vous voulez. Je vous fais les gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée, parce que voilà, il fait noir, donc c'est la soirée, d'accord? Et je vous dis à bientôt, bande de chien mère, ciao ciao!